Hey, bonsoir à tous, c'est Farcam. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série. Et ce sera The Legacy of Kain series. Alors, vous allez sûrement commencer à me dire, mais connard, c'est le numéro 2 celui-là, c'est pas le 1. Et vous avez raison, c'est le numéro 2. Pourquoi j'ai pas fait le 1 en premier? Le 1, lorsque j'ai voulu enregistrer, le jeu fonctionne. Malheureusement, sur PC, contrairement à la version PlayStation, le jeu est un peu plus lent sur PC. Ça, c'est pas un souci. Le jeu est comme ça sur PC, j'aurais fait comme ça. En revanche, les cinématiques sont dégueulasses. Je veux dire qu'il y a plein de couleurs, vous savez, genre bleu, rouge, qui sont mélangées à l'écran, et c'est dégueulasse. Et je ne peux pas vous offrir des vidéos avec une qualité qui est comme ça. Si j'arrive à faire fonctionner le jeu correctement, je le ferai, parce que ce jeu, je ne l'ai jamais fait, et j'ai envie de le faire, tout simplement. Mais, pour l'instant, on va plutôt s'attarder sur Blood Domain 2. Two, qui en français donne Blood Domain 2. Je ne ferai pas comme ces cons qui traduisent les noms propres en français, vous savez, comme Stormwind, transformer ça en Hurlevent, ou Malfurion Stormrage, transformer ça en Hurlerage. Non, ça c'est écœurant, c'est pour les casus. Ok, les noms propres, on les change pas. Bien, alors, ceci est donc Blood Domain 2 de la série Legacy of Kain. C'est développé par Crystal Dynamics, édité par Eidos Interactive. Sorti en mai 2002, c'est l'action-aventure. Avec des vampires, mais on s'en fout. Et quand on parle d'Eidos, j'en parle vite fait, 30 secondes, vous faites pas chier. On pense forcément à Dark Project, à la série des Tomb Raider, des Hitman, des Deus Ex, et j'en passe des meilleurs, hein. Il y en a qui penseront forcément à d'autres jeux plus récents, comme peut-être Batman Arkham Asylum, par exemple, mais c'est plus un petit aparté. Bien, on va commencer de suite. Tout est prêt? Oui, commencer une partie. Je vous rassure, j'ai pas été loin. J'ai été pour voir si le jeu fonctionnait. Parce que pour faire fonctionner ce jeu, j'ai galéré comme une grosse merde. C'était super compliqué. Donc, en l'occurrence, ouais, j'ai pas mal chié. J'ai mis plus de 2 heures pour faire fonctionner cet engin-là. Et pour l'instant, on dirait que ça fonctionne. Malheureusement, on semblerait que des personnes galèrent plus loin à cause des freezes, vous comprenez. Vous avez sans doute vu que la cinématique, c'est un peu lent. Ça saccade un petit peu. Et ça, apparemment, il semblerait que ce soit le minimum qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que c'est bien. Donc, si le jeu bug à un moment donné, que ça freeze ou compagnie, je devrais arrêter. Pour l'instant, je ne sais pas où ça le fera et si ça le fera. Donc, on va commencer cette série. C'est parti! Émergeant lentement des limbes de rêves épars, je m'éveillais jeté sur la rive d'une terrible réalité par les immenses vagues de douleur qui fluaient et refluaient, abandonné à la souffrance fulgurante de l'éveil et à l'écœurement de la vie. C'est alors que je la vis pour la première fois. Bonsoir. Nous n'espérions pas que tu t'éveilles si vite. Tu nous surprends déjà. Mon esprit était éparpillé, tel un miroir brisé. Où suis-je? Je ne puis me souvenir. Oui, il était dit que ta mémoire serait affectée par ton long sommeil. Cela passera avec le temps. Je m'appelle Uma et je suis ici pour t'aider. Sache simplement que ton nom est Kain et que tu fus autrefois un homme très puissant dans ce pays. Je me souviens de mon nom, mais mon passé n'est que fragment. C'est déjà un miracle que tu te sois finalement réveillé. Quand nous t'avons trouvé, une seule petite étincelle de vie brûlait encore en toi. Nous avons entretenu son feu jusqu'à ce qu'il te relève et que tu marches à nouveau. Et quel est cet endroit? Tu te trouves dans la cité de Meridian, capitale du pays de Nosgoth. La terre qu'un jour tu as voulu conquérir et gouverner. Mais dis-moi, puisque tu te rappelles de ton nom, te souviens-tu aussi de ta nature? Bien entendu. Alors laisse-moi te montrer le futur. Tu es resté endormi pendant 200 ans. Aujourd'hui, voilà ce qui est devenu le pays de Nosgoth. Tu as été un grand général, à la tête d'une armée de vampires. Mais les puissances que tu affrontais se révélèrent insurmontables.
tu fus terrassé, et tes armées vaincues, dispersées, oubliées. Tout le monde te croit mort. Qui m'a vaincu ? Les Séraphéens, des humains fanatiques qui ont juré d'éradiquer de ce monde la race des vampires. Un nouveau chef les a rassemblés, et grâce à un genre de magie redoutable pour ceux de notre nature, il est parvenu à anéantir ton armée, tuant la plupart des vampires. Tu as été vaincu en combat singulier par ce chef, le Seigneur Séraphéen. Mais ça n'est pas la fin de l'histoire. Sous prétexte de protéger le pays des vampires, les Séraphéens ont étendu leur contrôle sur tout Nosgoth, et leur règne est impitoyable. En 200 ans, ils ont réduit en esclavage les humains sous leurs joues de fer, et tué tous les vampires qu'ils pouvaient trouver. Une tâche inachevée, cependant. Pas encore. Et avec ton réveil, c'est aussi notre espoir de vaincre les Séraphéens qui renaît, et la chance de restaurer l'ordre naturel dans la cité. L'ordre naturel ? Les vampires faisant leur proie des humains ? Naturellement. Tu as dit « notre espoir » ? Qui êtes-vous ? Nous sommes la Cabale, la résistance des vampires. Nous œuvrons et combattons pour ébranler la puissance des Séraphéens. Mais nos efforts sont vains. Nous courons à notre perte. Grâce à la magie de Glyph, ceux-ci continuent de nous trouver, de nous tuer. Nous sommes de moins en moins nombreux. Et sans ton aide, nous sommes condamnés. Nous avons besoin de toi, Cain. J'aurais dû me douter que ce n'était pas par simple bonté d'âme que vous me rameniez à la vie. Il y a donc un prix. La Résistance a besoin de toi. Tous nos visages sont connus, et ils nous tuent dès qu'ils nous repèrent. Mais toi, tu es de l'histoire ancienne, mort, enterré et oublié depuis longtemps. Tu es libre d'aller là où cela nous est désormais impossible. Ce qui nous donne un petit avantage. J'en suis ravi pour vous, vraiment. Mais qu'est-ce qui te permet d'espérer que je vais faire cela ? Quelle sera ma récompense ? Votre éternelle gratitude ? As-tu donc tant changé ? Le Seigneur Séraphéen t'a vaincu. N'aspires-tu pas à te venger ? Lorsque ce sera fait, qu'est-ce qui t'empêchera de poursuivre ton ascension vers le pouvoir, de lever une armée et de régner enfin sur le pays ? La vengeance et le pouvoir ont-ils donc perdu tout attrait pour toi ? Es-tu réellement revenu à la vie ? Je me suis laissé manœuvrer une fois, il y a bien longtemps. Ça s'est très mal terminé. Mais cette fois-ci, tu vaincras. Nous sommes tes alliés, non pas tes ennemis. Souviens-t'en. Tout ce que nous voulons est clairement exprimé. Et nous ne poursuivons pas d'autres plans que les tiens. Ta victoire sera aussi la nôtre. C'est de la confiance que tu me demandes, alors ? Nous devons nous faire confiance. Ensemble, nous vaincrons le Seigneur Séraphéen. Une fois celui-ci mort, son ordre s'effondrera. Ses sbires ne sont que des imbéciles. Mais il y a bien d'autres terribles dangers que nous devons surmonter. Les dangers m'apportent peu. Ces Séraphéens vont subir mon courroux, n'aie crainte. Dis-moi, où trouver ce Seigneur Séraphéen ? Il sera mort et enterré dans l'heure. Quelle arrogance, Cain ! Si cela était aussi simple, nous nous en serions chargés nous-mêmes depuis longtemps. Mais tu es encore bien trop faible pour affronter un tel adversaire, sans compter qu'il est aussi protégé par d'autres vampires. Des vampires au service des Séraphéens ? Sont-ils devenus fous ? Ils tiennent à la vie. Et tant qu'ils servent le Seigneur, celui-ci les laisse survivre. J'aurais grand plaisir à les anéantir. Tu aurais bien de la chance de survivre à de telles rencontres. Tu es bien trop faible. Mais lorsque tu pourras les vaincre, tu gagneras aussi en puissance, en buvant leur sang. Ce qui te fera acquérir de nouvelles capacités. Nous appelons ça les dons obscurs. Je vais aller m'occuper de ces traîtres. La réalité tournoyait et mon corps me torturait. La faiblesse m'envahit. La soif est en toi. Viens, vampire. L'heure est venue de te nourrir. Oui. Il y a un petit décalage entre le quand il parle et... Parce que c'est... Je vous en ai parlé au début de la vidéo, donc vous comprenez peut-être pourquoi. Il y a intérêt ! Chapitre 1, les taudis, bienvenue dans Meridian. Lydan ? Non, pas Lydan, c'est un autre jeu. Où suis-je ? Ah, les taudis, ouais. Je suis beau. Ah, c'est pas regardé, hein. Ouais. Non, je plaisante, hein. Cain n'ait pas peur. Quelle magie est-ce là ?
Je me sers du murmure, Kane, une capacité naturelle des vampires. Elle nous sert à rester en contact, même à des grandes distances. Ah. Oui, le souvenir me revient maintenant. Pratique. Elle était dans mes pensées, et je crus presque l'avoir convoquée moi-même. Ne crains rien, je ne peux pas lire tes pensées, mais simplement murmurer à ton esprit et entendre tes réponses. Ah, sympa. Maintenant, continue à descendre. Laisse-moi parler. Je t'attends. Vous voyez, quand elle parle, il y a une sorte d'écho derrière. C'est une sorte de murmure, c'est bien de le souligner. Je viens de le remarquer, hein, donc... Alors, je veux faire quoi de beau? Je peux... me déplacer. Ah oui. On peut déplacer à la souris. Vous voyez, caméra, tout ça, c'est là, pas de soucis. En revanche, il n'y a pas de strafe. Bouton gauche, enfin, pas bouton, hein, touche. C'est ça aussi, ce qui fait qu'avec la souris et les touches, ça fait des trucs bizarres comme ça, ce qui peut me faire chier parfois. Donc, vous en faites pas, c'est... Bon, on verra ce que je peux faire avec ça. C'est quoi ça? Un point de passage. Oh, c'est pas un aperçu, vraiment. Non. Éloignez-vous de moi. Mais... Bah chier. Ouh, il est pas content, ok. Je suis faible. Et toi? Oh mon dieu! Mais c'est une femme... Oh, quelle horreur! Oui! Ils sont là pour nous protéger, voilà. Voyons. Mais pourquoi sont-ils si nombreux? Nous avons grand besoin d'eux. Les Séraphins ont fait le serment de protéger la population et d'avertir la menace des vampires. Tu as déjà vu un vampire? Et... Exactement. Oui, la tronche de Kane. Oui, ben vu qu'ils tiennent aussi nos impôts, c'est le moins qu'ils puissent faire. Tais-toi donc, quelqu'un pourrait t'entendre. Vous voyez, quand il y a un truc qui se passe, regardez, là il y a un rat, regardez Kane, vous voyez, c'est son visage, il se tourne pour regarder quoi. C'est bien quand même, c'est. Eleven, 3D. What? Oh. Bienvenue dans les taudis, Kane. Merci. Nous nous trouvons dans la plus délabrée et la plus ancienne partie de la ville. Et rares sont ceux qui osent s'y aventurer. C'est l'endroit idéal pour t'y entraîner. M'entraîner? Oh. Me prendrais-tu pour un chien? Ta mémoire est en lambeaux et ton corps engourdi par 2 siècles de sommeil. Tu dois d'abord recouvrer les forces et les capacités dont tu disposais avant de pouvoir être d'une quelconque utilité à la cabale. Ah. Tu vas devoir réapprendre à combattre et à survivre. Il me semblait que tu m'avais parlé de me nourrir. Patience, vampire. D'abord, apprends que tu es plus fort et plus rapide qu'aucun mortel. Je sais. Et capable de sauter bien plus haut et bien plus loin. J'ai vu le film Blade. Encombre ta route, saute par-dessus. Maintenant, rejoins-moi ici. Il y a un gros plan sur son string, j'arrive pas à m'en tirer les yeux de ça. Hein. Dingue. Alors, appuie sur sauter pour sauter. Wouah! Appuie sur sauter, hein, ok. Ah, l'écran n'est pas tactile. Merveilleux. Dans la merde. Bon, on peut pas écraser ce putain de rat là. Come on, rats! Je vais te... Nah! Hey, c'était quoi? C'est le rat qui attaque. Ok. Bon, sautons. Waouh. Sexy jump. Sache que tu disposes aussi de la capacité de flotter. Lorsque tu te trouves par exemple sur un rebord comme celui-ci, il t'est possible d'atterrir sans risque et silencieusement en flottant. Quoi? Un wall jump? C'est une capacité qui te sera utile quand je t'entraînerai à tuer. Dieu. Suis-moi. Elle ne tarderait pas à découvrir que c'était chez moi un talent inné. De quoi de la suivre? Stalker! Alors, je saute et je... Oui! Hélicoptère! Clinicoptère, ouais. Fermé. Toute la cité basse. Et comment je rentre à la maison, moi, ce soir? T'as une sale gueule? Tout comme je t'ai dit. Ma nièce va me tuer. Oh mon dieu! Un homme grenouille! Alors ils m'ont ramassé et mis à la montre pour avoir traîné dans les rues la nuit. Ils peuvent pas faire ça. Ils se gênent pas. Ferait mieux de trouver un lit pour la nuit. Agnès ne va jamais vouloir me croire. On s'en bat les couilles. Est-ce que je dois aller, moi? Oh. Eh, j'ai pas écrasé un rat, là? Non. Eh! Éloignez-vous de moi! Me traverse pas! Un mutant! Ah! Casse-toi! Saloperie! T'as un problème, toi, hein? Quoi?
Comment t'es en train de bloquer ici, elle? C'est pas un piège, ça? Tutoriel, saloperie. Waouh, Power Rangers. C'est pas un point faible, ça, l'eau? J'ai pas confiance. It's a trap! I knew it! On gratte. Bon. Oh, des mouches à merde. Non, un moustique peut-être. Il y a peut-être des lucioles. Non, c'est juste passer de sprite pourtant. Un truc correct. D'accord, bon. Open the door. Checkpoint. Et. The other door. Aha! Cette ville est un véritable labyrinthe. Non, c'est scripté. C'est idéal comme territoire de chasse. Mais dis-moi, Kane, as-tu faim? Oui. Il y a un prisonnier qui t'attend là-dessous. Un voleur d'une bande locale de criminels. Il comptait assassiner une autre victime. J'ai une brioche! Mais c'est sur moi qu'il est tombé. Il fallait attendre pour ça. Épargne-moi les prétextes moraux et mène-moi à sa gorge. Moraux? Alors bois. Je t'attendrai en bas. Ok. Oh! Magic! Magic! I'm scared. Barrel! Cet endroit est un peu bousillé quand même, hein. Hop! C'est ce truc là? Appuyez sur sucer 100 pour sucer 100. Sucer 100? Oh! Charmant! Je vois que tu es rassasié. Mon cul! Je le suis. Ah, bon, d'accord. Le sang est la vie. Sans lui, tu meurs. Lorsque tu es blessé, cherche-en pour restaurer ta vitalité. Sache aussi qu'en buvant le sang des autres, tu gagnes en force et deviens plus ardu à tuer. Nommons cela la force du vampire. Oh, mais ça perd de sang, mais... Plus tu t'abreuves du sang d'autres créatures... Excusez-moi, mais... Plus la force grandit en toi... Mais regardez ça! Ta vigueur et ta santé. Ne laisse aucun ennemi en vie, Kane. Tu as besoin de leur sang et de leur force pour survivre. Bien, poursuivons maintenant. Oui. L'euphorie me gagne. Encore un peu, non? Ah, elle a plus de sang. Bon. Maintenez face à face, il y aurait une victime. C'est bien vivante, hein. Par pitié, que quelqu'un m'aide. Je vais t'aider. À ta gueule. What the fuck? Oh, j'ai gagné un niveau. J'imagine. Bon. J'ai perdu 100, comment ça se fait? Elle était pourrie cette catin. Oh, je suis hémophile. C'est un vampire hémophile. C'est ridicule. Enfin, bon, je suis faible, c'est pour ça. Laissez-moi tranquille. Quoi, ta gueule? Arrêtez de jouer avec moi, j'ai peur. Oh, et là, t'as peur, là? Hein? Hein? Enfuis-toi! Enfuis-toi, salope! Bon. Mais tu vas te crever, moi! Mon hémophilie! Ah. Ah, mieux. Hein. Bon. Derek, cela n'a rien à foutre. Oh. Hey, checkpoint! Bordel. Bien que nous soyons supérieurs aux humains dans de nombreux domaines, nous déplorons aussi certaines faiblesses dont ils ne souffrent pas. Ou quoi? Ainsi, alors que l'eau est symbole de vie pour eux, elle représente la mort pour les vampires. Son contact nous brûle la peau, et une immersion peut être fatale. Évite-la à tout prix. Pas de bain de minuit alors, hein. Sache aussi que les reliques de nos ancêtres sont dispersées à travers Meridian. Elles sont inutiles aux humains. Et seuls, les vampires peuvent accéder à ces coffres et se servir de la puissance qu'ils recèlent. Puissance! Pendant tes voyages. Ok, sache aussi qu'éparpillées dans Meridian se trouvent des reliques de nos ancêtres. Elles sont parfaitement inutiles pour les humains. Seuls, les vampires peuvent accéder au coffre qui les renferme et utiliser leur pouvoir. Tu viens de me le dire, connasse, non? Cherche-les au cours de tes pérégrinations.
T'es un petit peu débile, toi, quand même, hein. Checkpoint. Ah. Non. Ah, mon hémophilie! Hein, ici? Non. Bon, pas de bain de minuit alors, hein. Ok. Je saute. Ah, je peux sucer le coffre. Ok, ma poule de gauche c'est la vie, poule de droite c'est mon expérience, je pense. Ah, y'a pas un coffre là qui est... Ah, trop loin, hein. Nope. Oh! Chest! Miam, y'en a que 3 à chaque fois? Miam. On dirait. Bon. Dis donc, toi. À prendre un... Ah, je veux que tu prennes un bain. En même temps, ça la tuera pas, c'est... Ah, oh, quoique... Ça fait comme Hitman, hein, le mec tombe dans l'eau, il meurt. T'es que c'est un point fait des humains, l'eau. Attention à ce qu'on fait. Non. Il y a un portail de dégâts. Oui. C'est le rat qui poursuit le chat. Vraiment. Putain de chat. Mais t'éclater la gueule. Chaton de merde. Ah. Mais t'éclater les couilles. Reviens. Je vais te buter. Petit. Non, je vais baiser le chat. Mais pas toi, le chat là. La caméra vise automatiquement le truc. Automatiquement le personnage de derrière. Putain, il est increvable. Ce jeu est dégueulasse. Il vous fait miroiter des choses que vous pouvez pas faire dans la vraie vie. J'aurais essayé un peu encore. Oh, la flotte. Je peux l'avoir, j'en suis sûr. Attaque-le, rat, fais ton boulot, quoi. Elle va par derrière, va pas s'y attendre. Je l'ai eu. Success. Saloperie de chat. Oh, mon hémophilie. Oh, quelqu'un a bouffé ici, c'est vrai. Ouais, toi t'es bien là, rat, t'as fait du bon boulot en chassant le... Ok, il me faut du sang. Je vais attaquer cette femme mutante là. Il n'y a pas de pitié ici. Oh, oh, ce coup de pied dans les noix. C'était épique. Ah, faut changer tout le monde alors, je gagne de l'expérience chaque fois. Intéressant. Bon, qu'as-tu à me dire sur cette barrière verte? J'ai déjà évoqué nos ennemis mortels, les Séraphéens. Et l'eau aussi. Ils ont juré de mener une croisade contre les vampires jusqu'à leur destruction totale. Et ils ont pour cela mis au point des défenses spéciales. Tu peux voir ici ce qu'on appelle une barrière. À quoi cela sert-il exactement? Oh, Adbolke. Si tu t'aventurais à la toucher, tu serais brûlé comme par le feu. Les Séraphéens ont construit ces barrières dans tout Méridian. Nous ne pouvons aller plus loin dans cette direction. Suis-moi dans l'égout. J'adore les égouts. Eh, c'est pas désactivé le truc? Non, j'ai cru y voir un petit peu. Est-ce que j'avance plus vite si je sautille? Pas sûr. Hein. Checkpoint. Non, fermé, hein. Ta capacité à survivre dépendra de ta capacité à combattre. Tuer. Toi d'apprendre à tuer. Tuer. Wow. La première ligne de ta défense est ton agilité. Tu peux esquiver facilement une attaque ennemie grâce à ta vitesse surhumaine. D'accord. Tu peux aussi essayer de bloquer les attaques. Je vais te montrer en t'attaquant. Ne t'inquiète pas, je n'utiliserai pas mes griffes. Bloque mes coups et nous pourrons poursuivre
avec la leçon suivante. Neuf fois. Boum, boum. Ok, ça fait six. Oh, nous quel bénéficions tous d'une arme naturelle. Nos griffes. Utilise-les pour tuer tes ennemis. J'ai déjà fait. Entraîne-toi en m'attaquant. D'accord. Je prie un malin plaisir à lui cogner. Fatigue. Profite de l'occasion pour la gripper. Oh, lorsque c'est fait, tu peux le projeter à une grande distance. Tu veux un câlin, c'est ça? Balance cette... Oh balance loin. Encore une fois, c'est ça? Casse-toi. Excellent. La leçon est terminée pour le moment. Excellent. Tu m'as balancé comme une merde. Je te retrouve très bientôt. Magic. Ah, j'étais verrouillé. Mon hémophilie. Tu as un coffre ici, là? Non. Cette caisse, on peut la sucer. Non, pas vraiment votre barre de rage. Remplacez votre barre de rage pour activer les dons obscurs au combat. D'accord. Don obscur, hein. J'ai quoi? La brume et furie. Oh shit. On va prendre la brume. Ouais, je pense que c'est quoi, mais. On verra ça en temps et en heure, j'imagine. Checkpoint. Oh. Quelle énigme! Un qui est planqué là? Non. Oui. Ah non, c'est bon. Oh, non. Ok, je m'agrippe, c'est cool. Bon. Mon hémophilie! Il me faut un gars, en blanc. Ah, come on! Le temps que tu me parles! De l'autre côté de cette porte, tu vas passer ton premier test sérieux. Une sérieuse. Bande de criminels campe par là, et l'un d'eux monte la garde, inconscient du triste sort qui l'attend. Campeur! Tu dois le tuer, Cain. Tu sauras bloquer et esquiver ses attaques. Fais-le tomber au sol, en te servant de tes griffes. Et une fois que c'est fait, bois son sang pour soigner avec les plaisir. Qu'il aurait pu t'infliger. C'est toi qui m'as fait mal je en plus! Réveillerai. Et chaton aussi. Bon... D'accord, comment elle veut me surveiller, quoi. Non, ce murmure, là. Ok, amène-toi. Non, elle prend une furie. Rappelez, la barre est activée. Ok, alors. Hey. Eh ben, qu'est-ce que nous avons là? Uppercut. Mort. Elle m'a rafilé un XP, cette pourriture. Oh, ok. Ok, j'ai récupéré son gourdin. Oh. Et un chest. Mon hémophilie. Actuellement, c'est pas mal ça pour l'expérience. Ouais, pas que j'en rate pour avoir un bon niveau vers le début. Bien. Saute, saute, saute. En plus quoi de la encore sécurité physique. Les vampires sont aussi dotés de dons obscurs. Ce sont nos capacités surnaturelles. Notre malédiction se développe différemment en chacun de nous, ce qui nous donne à tous des pouvoirs uniques. J'aime l'écho d'ailleurs. La plus grande partie de ton ancien pouvoir a disparu pendant ton long sommeil, Cain. Mais tu disposes encore d'un don obscur. Deux actuellement. La brume que tu vois ici peut être utilisée à ton avantage. Tu as la capacité de revêtir une forme brumeuse et de devenir presque invisible. Oh. Tu peux alors te déplacer silencieusement pour mettre à terre ta victime en l'attaquant par derrière. Ouais. Lorsque les adversaires sont en surnombre, utilise la brume pour tuer tes ennemis en silence. Et lorsque tu es poursuivi, tu peux t'y dissimuler pour leur échapper.
Ok, je garderai ça en tête. Maintenant, de ce don obscur pour tuer ceux qui te font face dans le cimetière. Je te laisserai poursuivre. Ceux qui me font face, je croyais que c'était pour se camoufler, pour les flinguer par derrière. Non, c'est... Je sais, je chipote, c'est pour rigoler. Ben... Alors, il me faut le don de... Brume. Alors... Et comme un con, j'ai cherché pour voir un, si j'avais un Shiny qui traînait ici. Oh... Je suis Dark. Maintenant, la zone obscure, puis ça vous utiliser pour... D'accord... Rien à me dire, hein. Ok. Alors, essayons le don obscur. Alors. Ah ah, il y a un crâne dans ta gueule. Sûrement un... Finish him. Let's go. Oh, mother, sainte merde. Ça marche bien. Même joueur joue encore. Finish him. Oh. Je trouve ça cool, moi. Je sais pas si les armes se pètent dans le jeu là, alors dans le doute, je vais la reprendre. Ok, donc ce pouvoir est très intéressant. Alors, cherchons les petits coffres. C'est dans un cimetière, il y a force. Oh bah. Eh. Un petit new tête avec la chance, non? Ah 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 ah. Nope. Fuck you. Et il y a un putain de hibou aussi. Ou une chouette. J'arrive pas à faire la différence. Peut-être que vous la faites, mais... Non, pas moi. Non. Non. Oh, ça brille partout ici. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, mon hémophilie. Non, on peut pas aller ici. Bon. Un problème. Arrêtez ce petit jeu, j'aime pas ça. Et ça, t'aimes ça? Oh, sainte... On peut pas attaquer lorsqu'il se relève. Pas de niveau encore, hein. J'apprends qu'il y a un coffre ici, ça... Oh, je t'ai vu, toi! Enfoiré de chaton! Tiens, Jantek! Oh... Tu ne t'enfuiras pas! Ah! Vengeance! Est-ce que je peux... Ouh! Dans les couilles! Dans les burnes! Oh, t'aimes ça? Ah oui! On dirait qu'il aime ça. N'a pas de niveau. Bon, alors, level up. Un coffre d'armes. What? Ok, mon bâton maintenant a une couleur affreusement pas attirante. Quel genre de sorcellerie est-ce donc? C'est un glyphe. Une nouvelle forme de magie apparue avec l'avènement des Séraphéens. Elle approvisionne tout Méridian en énergie. La porte que tu vois peut être actionnée grâce à celle-ci. Active le boîtier, le levier sera alimenté, et tu pourras l'utiliser pour ouvrir la porte. Ok... C'est un bouton. Il faut appuyer sur le bouton. Oh. T'es pas du coin, toi. Ça marche bien. Give me money. Je suis plus fort. Oh. Ah d'accord, ok. Quand il y a du sang dessus, c'est que ça me donne de l'expérience. Et quand c'est une caisse différente, c'est un truc pour une arme. Rien par ici. Mon hémophilie. Non, on dirait pas, hein. Bien. Alors, ouvrons cette porte. Oh, il y a un gros con derrière. Félicitations. Les glyphes sont entretenus par... Bravo, t'as appuyé sur un bouton. Une société secrète, dont les ramifications s'étendent à travers tout Méridian. Tu les verras travailler sur les glyphes de temps en temps. Ils parlent rarement à la population, et on sait très peu de choses de leurs origines. Droit devant s'étend un marché où la lie de Méridian s'affaire à de répugnants trafics.
De l'autre côté du marché se trouve le pont qui mène à la cité basse. Va vers l'est, jusqu'à ce pont. Nord, je sud, ouest, est, à droite. Et toi, où vas-tu? Je dois partir en éclaireuse, m'assurer que tu ne rencontreras pas de patrouille séraphéenne. Tu n'es pas encore prêt à les affronter. Quelle confiance. Tu me laisses me débrouiller seul. Il est beau quand même, ce type. Considère cela comme une marque de bienveillance. Il a une meilleure gueule dans celui-ci que dans Soul River. Si vous voyez un peu le genre. Dans Soul River, il a un peu plus défriché. Bien, je vais prendre le checkpoint et je vais faire une sauvegarde parce que... Voilà. Alors, comment marche sauvegarde? Sauvegarde, parti. Voilà. Yep. Écrasé. Écrase. Et... Voilà comment on enregistre. Il y a un coffre ici. Good. Oh. Ah! Enemy right ahead. Oh. Hey, c'est ma bouffe. Hey, où tu vas, toi? Pourriture! Ça a marché! Ça alors, qui l'a cru? Un bon coup dans la gueule et ça marche! Bon, prenons ce coffre là. Allons essayer de trouver ce putain de séraphéen. Ouais. Le boire à distance, c'est quand même vachement. Vachement effrayant. Mon arme fait encore des drôles de couleurs. Oh, encore possible. Et je peux me mettre dans la brume. Et je vais décapiter Messire. Et boum! Oh, il est mignon. Waouh, le corps c'est épais. Ce n'était pas censé arriver, je pense. Alors. Ça mène où ça? De l'eau. Je pense que l'eau ça brûle, c'est ça? Hein? Ça brûle? Ouh, je suis un pétard! Oh! Mon hémophilie! Oh, ça alors! Je pense pas pouvoir réussir à faire ça actuellement. C'est vraiment généreux de leur part, hein? Vous voyez ça? Vous voyez ce que ça peut faire? De quoi? La lumière et la chaleur sans une goutte de pétrole ou un morceau de charbon. Il les amène dans les quartiers les plus misérables pour les simples citoyens. Béni soient les séraphiens. Quoi? Béni? Va chier! Je vais te briser les couilles! Enfoiré! Castré! Non. Enfoiré, t'es que séraphien? S'en abat, connard! Alors, ça a activé quoi? Cette porte là, hein? Mais... Oh. Madame? Laissez-moi tranquille! Dis-moi encore un sale mot, ça va chier! Ne me pointe pas du doigt, ça va mal finir! Quoi? Oh putain! Ne me fait pas de mal. Toi, tu vas. Ah, vraiment, elle est morte! Eh, qui l'eût cru? L'eau tue les humains aussi! Oui, j'ai perdu un micromètre d'expérience, mais je m'en fous. Oh! La brume ici, hein. Ça, c'est de la vapeur, pas cool, on va arrêter ça. Je suppose. C'est visible, hein. Ouais, fallait pas foncer. Il y a quand même du sang, malgré tout ce que je lui ai viré en tapant dessus. Ça aurait pu être un système de gameplay. Si vous l'infligez des blessures vraiment sérieuses, plus pas de sang lorsque vous le tapez, moins il en aura pour vous régénérer. Ok, là-bas il y a deux mecs. L'un qui a une drôle de couleur aussi maintenant que j'y pense. Y'a pas de brume ici? Non, pas de brume. Est-ce que le feu me brûle? Wouah! Le feu brûle! D'accord! Et il y a un rat aussi. Et un joli coffre! Ah, un peu de mal à monter maintenant. Bien, je crois qu'il y en a un qui est vert, je crois, hein. Ça?
Il y en a un qui est vert et un qui est blanc. Ça veut dire quoi, ça? Celui-ci est plus fort que l'autre, c'est ça? T'es pas du coin, toi. Oh shit. I took damage. Ah bah non. Il est aussi fort que les autres. Plus d'expérience? Non, pas vraiment. T'as besoin d'une bonne leçon. Oh, enfoiré. Ce jeu est très facile. Je peux m'arrêter de boire quand je veux aussi. Je peux commencer à boire un peu, le laisser de côté et le finir plus tard. Au cas où si j'ai besoin de trop de vie. Mais là en l'occurrence, ça va le faire donc. Viens, par là. Suis-moi. Où me mènes-tu? Je t'emmène au sanctuaire, le centre de la cabale. L'heure est venue pour toi de rencontrer notre chef. Il était temps en effet que j'en apprenne un peu plus sur les plans de ce chef. Et sur la manière dont il comptait m'y voir participer. Uma avait pris de l'avance. Cain, par ici. Oh, y'a un... Ouais. Un vampire, ici. Fermez la porte. Pense me brûler, ça. Absolument atteindre la cité basse. Le tunnel du contrebandier t'y mènera. Vampire puant, crève. Rends-toi au grand hôtel, dans les taudis. Un contact t'y retrouvera et te dira où aller. Espèce de maudit démon suceur de sang! Dépêche-toi, Cain. Ils ont quand même la classe! Ils ont pas de bouclier, ils ont un bouclier sur l'avant-bras! C'est stylé quand même! Je me retrouvais seul, dans une cité qui avait changé de tout en tout, et sur une terre frappée de malédiction. Je te retrouve. Suivre Uma, comme elle me l'avait demandé, ou bien tracer ma propre route, et chercher ailleurs les réponses aux nombreuses questions qui m'assaillaient. Mais on me les avait promises au sanctuaire, ces réponses. Ma décision pouvait attendre. Ouais, voilà. Le sanctuaire. Oh, bah c'est parti, merde. Je peux pas passer pas. Ouais, bien sûr. C'est dit que ouais, Cain se retrouve un petit peu loin de ses piliers de Nosgoth. Hein. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas été là-bas. Et... Ouais, malgré le fait que... What? Where must I go? Ici? Non. Ah, là-bas, ok. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Vous n'avez pas vu aussi? Pas trop aidé, hein. Et... Quelqu'un d'autre? Oh. Non. Bon. Allons tuer Messire Campeur, là. Je suis ici. Il y a une échelle. Eh ben, qu'est-ce que nous avons là? Tiens, 6 hit combo. Attendez pas à ça, mon gars. Ah. Allons trouver un checkpoint. Marcher au dépôt. D'accord. Ah bah allez, surtout prends ton temps hein. Pas comme si qu'on aimait filer, elle allait me buter. Mais avant tout, j'aimerais récupérer ceci. Ouais, c'est pas trop mal actuellement. Ah, voilà, checkpoint. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour le moment. On a un petit peu découvert comment passer le jeu. Voir si ça vous intéresse. Oh, 60%. Sovereign 85. Bon. J'ai bientôt fini le jeu, sur 85% du début. Ok. Oui, je peux parler des séries de Legacy of Kain et compagnie. Donc, ouais, bien sûr, Blood Domain 1, on va dire. Là, Blood Domain 2, il y a aussi Soul Reaver. Et Soul Reaver 2, il y a Défiance. Et également, comment dire... Le nouveau, entre guillemets, qui est sorti, qui s'appelle Nosgoth, mais ça n'a rien à voir, ça prend juste l'univers de Legacy of Kain, mais ça n'a rien à voir avec ces jeux-là, donc je peux en parler, bien sûr. Donc, on va s'arrêter là. Ouais, ça devrait suffire. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine, restez branchés si ça vous intéresse de voir ce jeu-là. Et Kain et moi-même vous souhaitons également une bonne fin de journée. Ciao!